Bon alors les mecs là, si en deux mots là, en deux mots hein, si je vous résume ma vie, bah ma vie, voilà, bah j'ai rien vu, au début je sais plus, au début je crois que je me faisais chier quoi, j'étais chez mes vieux, ils étaient super chiants mes vieux, et puis je me faisais chier, et l'école, je pouvais pas saquer l'école, je détestais les profs, j'avais pas de copains, je restais au fond de la classe, je me branlais en cachette, tout au fond de la classe, et je dessinais des Mickey, sur les cahiers, j'arrêtais pas de me faire engueuler, j'arrivais jamais à réciter ma poésie. En plus, j'essayais de l'apprendre, mais rien à faire. Dès que j'arrivais devant le prof, j'étais paralysé par la timidité. Et je disais rien du tout. Et après, pareil, les meufs. Arrivé à l'adolescence, je me branlais. J'avais pas le droit de sortir. J'avais pas le droit d'avoir les cheveux à la mode. J'avais pas le droit d'avoir les pantalons qu'il fallait. J'avais même pas le droit d'avoir une mobilette. Et puis, je me branlais. J'ai continué jusqu'à maintenant. Je me branle toujours. Bon, ça, sur ce point-là, ça a pas changé. Et d'autres trucs aussi qui ont pas trop changé. La vie continue à me faire chier. Ça me faisait chier. Et je savais pas comment je pouvais me faire des meufs, parce que les meufs, elles me considéraient comme un débile. Alors je me suis dit, tiens, bonne idée, je vais faire de la musique. Ah, la musique, ouais, c'est cool. J'avais vu les mecs, là, ils faisaient des groupes de rock et tout, ils se faisaient des meufs dans les caves, ils fumaient des joints et tout le bordel. Je me suis dit, bon, je vais faire comme eux. Pas compliqué, je vais m'acheter une guitare. Mon père voulait pas que je m'achète une guitare électrique. J'ai piqué de l'argent à ma grand-mère, je me suis acheté une guitare en cachette. J'ai essayé d'apprendre la guitare dans ma chambre. Bon, je faisais comme je pouvais, hein. J'arrivais à faire 2-3 notes. Pour moi, la guitare, c'était trop compliqué, j'ai jamais été doué dans la vie. Alors j'ai décidé de faire de la basse. Hein, j'ai imité des trucs de Deep Purple, des trucs faciles sur une seule corde, pom pom pom, tam 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 tam, pom 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 pom. Je me suis dit avec ça j'ai emballé les meufs. Mais non, rien à faire. Les meufs elles me trouvaient nul. Elles aimaient que les mecs qui faisaient des gros solos de guitare de 200 mètres de long là, vous savez, avec des pédales wah wah et tout le bordel. Moi je pouvais me faire foutre avec ma basse, j'avais juste joué 3 notes. Elles préféraient les guitares solo, les guitares héros, les mecs dans les grosses queues, pas les petits connards, les timides là qui restent au fond du groupe. Et d'abord je jouais même pas dans un groupe, je jouais dans ma chambre tout seul. Alors là, c'est là que j'ai eu l'idée. Alors l'idée que je conseille à tout le monde, hein, pour réussir dans la vie. J'ai décidé, ok, puisque je voyais que tout le monde se droguait, fumait des joints, prenait des machins, tout ça, LSD et compagnie. Je me suis dit, cool, je sais ce que je vais faire, je vais me droguer comme tout le monde. Je me suis drogué, mais c'était même pas original. Tout le monde se droguait, de toute façon, elles étaient tellement défoncées les meufs, elles avaient même plus envie de baiser. Et c'est là que j'ai eu l'idée, mais alors l'idée, la vraie idée, je me suis dit, putain... Les mecs, je vais faire trafiquant de drogue. Non mais sans déconner, trafiquant de drogue. Déjà, je pouvais m'acheter plein de matos de musique, j'avais même pas besoin de travailler. Trop cool la vie. Et oh là, attention les meufs. Comment qu'elles se pointaient, les petites junkies chez moi. J'en vendais du shit, de la poudre, de la coke, tout ce qu'elles voulaient, LSD et compagnie. Et je ramassais la thune. Et les meufs, comment qu'elles s'écartaient les meufs. J'étais le roi de la cité, là, je vous jure. Ah putain, fallait voir les copains que j'avais. Tous à m'emprunter du shit. Et après, quand je me faisais choper par les flics, jamais ils revenaient me payer, évidemment. Mais dès que j'avais à nouveau de la cam, dès que je m'étais refait, j'étais parti au Maroc. Trafiquer de la drogue et tout. J'ai même été en Thaïlande, en Hollande, partout, les mecs. Une fois, j'ai même été en Amérique du Sud. Acheter direct la coke à la mafia. Alors là, je vous dis sûr, j'étais les héros de la cité. Je leur racontais l'Amazonie. Les ranchs perdus au fond de l'Amazonie. Avec les mecs avec des gueules balafrées, les machettes, les mitraillettes, tout le bordel. Et moi j'ai été acheter la coke là-bas, la pure. Putain, la moitié de mes potes ils sont crevés tellement qu'elle était bonne ma coke. Et là je vous jure, les meufs me les bourraient. J'avais la queue, mais fallait voir, la queue toute rouge. Jamais je débandais de la journée. Et je te lui foutais de la canne dans la chatte et je la bourrais après. Elle comprenait plus rien les meufs. Ah ça c'était la grande époque de ma vie. Après bon, je suis tombé quoi. Tombé dans la cam, tombé les flics quoi, ouais tout le bordel. Et après, bon, c'est là que j'ai été un peu paralysé, tout le truc. Bon, c'est là que j'ai fini en costès dernière manière, quoi. Un pauvre con qui fait de la musique underground. Mais avant, les mecs, vous avez pas recommencé. Mais personne l'a remarqué. Moi, j'ai commencé à faire de la musique à 40 ans, les mecs. Mais avant, j'étais trafiquant de drogue. Bah, ah, vous me voyez, moi, musicien underground, un truc de loser. C'est de barjo, les gars. C'est vraiment parce que je suis handicapé que je fais ça, musicien, c'est un truc de merde. Putain, si j'étais pas handicapé, moi, je te jure, c'est le chef de la mafia. Mais personne l'a remarqué. Moi, j'ai commencé à faire de la musique à 40 ans, les mecs. Mais avant, j'étais trafiquant de drogue. Bah, ah, vous me voyez, moi, musicien underground, un truc de loser. C'est de barjo, les gars. C'est vraiment parce que je suis handicapé que je fais ça, musicien, c'est un truc de merde. Putain, si j'étais pas handicapé, moi, je te jure, c'est le chef de la mafia.